On est tout safe et je vais mettre une petite intro. On passe. Alright, salut tout le monde, bienvenue au live de ce soir avec Seb Cossette. Comment ça va, Seb? Ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Salut aux gens qui écoutent en direct, c'est nous un petit commentaire, euh, dire qui est live parce qu'on ne peut plus le voir euh, si vous ne commentez pas. Euh, Eric, salut Eric, j'espère que tu vas bien. Super hâte de te voir à l'atelier d'ascension. Donc, euh, Seb, aujourd'hui, euh, moi ce que je trouve intéressant, Seb, c'est que tu es dans le domaine depuis des années et des années. T'en as, as vu des, euh, de, du monde arriver, du monde partir du domaine, du, des coachs. Puis... Yes. Et euh, je pense que c'est une de tes forces, ça va avec ton branding de Resilient Gentleman. Tu t'es réinventé, Tu t'es capable de toujours te dire, OK, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux m'en aller, puis de ne pas avoir peur de faire du changement. Euh, mais c'est pas venu avec un paquet de défis à travers ça. J'aimerais ça tu nous parles un peu de... Ton parcours, puis ça a été quoi comme les, les grandes pièces, si tu veux, que de changement que tu as eu à faire à travers, euh, à travers les années? Ben certainement. Dans le fond, euh, écoute, on peut reculer. Là. Moi, j'ai commencé en 2004. Fait qu'à l'époque, pas de réseaux sociaux, euh, pas d'Instagram, pas de Facebook. Pas grand-chose, en fait. Puis, j'ai eu l'occasion, moi, euh, en 2005, d'être mentoré par, euh, dans le fond, coaché par Christian Thibodeau avant ma première prep, quand je me préparais pour Pro Gym dans ce temps-là. Puis, j'étais à l'université en même temps, j'ai comme catché vite, vite que c'était pas nécessairement le chemin traditionnel, tu sais, comme finis ton bac, fait ta kin, finis ton bac, punk ton degree, deviens entraîneur privé, euh, Au travail du temps, euh, je me suis aiguillé après ça à Sherbrooke, que là, j'ai décollé ma, ma pratique en personne à 100 euh, Je chargeais 30 pièces à l'heure, à l'époque, un heure travaillé, un heure payé, à un moment donné, j'avais deux gars ensemble, les autres me disaient, OK, on va te payer deux. quoi. J'étais comme, ouais. Là Avec eux autres, je faisais 60$, j'étais comme Gucci. Je faisais mon, mettons, mon 1500$, à peu près pas loin de 2000$ par semaine, ce qui pour moi, à l'époque, était excellent, quasiment tout payé cash. Fait que, écoute, on déclarait des pinottes, je faisais mes impôts, je ne faisais pas tu sais, comme YOLO. Euh, Puis là, au travers de tout ça, éventuellement, j'ai donner un contrat avec Biotest. Euh, aux États de t en 2009. Je été avec eux autres pendant six mois. Après ça m'est arrivé des patentes, des fuck-up aux douanes, tout le, le, le chiard euh, qui fait que j'ai perdu cet endossement-là. Puis là, je me suis re redirigé euh, vers Montréal. Euh, là, je suis tombé sur le parter pendant trois ans solides. Euh, j'ai complètement échappé. Euh, perdu du monde en cours de route, perdu de la santé un peu, perdu de l'argent, perdu bien des, des opportunités aussi, je te dirais. J'ai comme fermé mes yeux à ça. Puis éventuellement, euh, 2013, 2014, euh, grossesse surprise, euh, ma petite Charlie est arrivée dans le décor. Fait que là, j'ai pivoté tout ça. J'ai euh, repris contrôle de ma vie. J'ai fait un astuce clean-up dans mon entourage qui était rendu composé de prostituées et de motards, entre autres. Puis j'ai tout mis ça de côté. J'ai zoné in sur ma business. J'ai zoné in aussi sur ma famille. C'est la vie que je voulais mener. Puis je me suis ramassé papa monoparental pas trop longtemps après. Puis depuis ce temps-là, 2016 à. Aujourd'hui, j'ai bâti, si tu veux, un peu plus euh, la version, euh, on va dire, peut-être 4.0 de, de où -ce que je suis. Là. Je suis rendu à 40 ans. Maintenant, je peux dire pour une fois dans ma vie tu sais, que j'ai une business. Euh, puis que les choses s'annoncent vraiment bien. Puis on en parlait tantôt dans, dans le mastermind. Ça vient pas toujours sans, sans accro, mais il faut savoir tout le temps justement se réinventer et trouver une nouvelle façon d'aider le monde là, euh, à la, avec les outils qu'on a dans notre coffre ou ce qu'on est rendu dans la vie. Fait, moi, Je pense mm. que ce serait ça le est actuel. Là. Ah, très cool. Puis là, dans le fond, tu étais en, en personne, tu coachais du monde en personne. Puis, ben, on nous donne un peu, c'est quoi que tu t'es dit? Ok, là, il faut switch en ligne. Tu sais, ça a été quoi comme. Qu'est-ce qui t'a fait de réaliser ça? Ça a été quoi le processus? Ça a été quoi les embûches? Puis, comme, à ce le t'en es où avec ça? Là? Ouais, le, le processus, je te dirais, qui a été quand même fastidieux et un peu douloureux. Là. Le pire, c'est que moi, j'ai fait un rechute. Ok, je vous explique. C'est que dans le fond, dans le Covid, on est tombé en lockdown genre le mardi. Euh, le mercredi, je me suis déchiré le quad. Donc on recule. Mettons au mois de mars, mars 2020. Fait que là, je me ramasse la jambe dans le plat. T'sais, moi, je faisais juste du privé. J'avais monté mes prix tout Fait que tu j'étais rendu mettons, mettons j'avais déjà genre euh, 80, 90 d'or. fait que j'avais, je faisais des, des bonnes sommes. C'est comme 15 à 20, 15, on va dire 12, 12 à 18 mensuels tout le temps. Euh, sauf que une heure travaillée, une heure payée, tout le temps. C'était jamais un principe de forfait. Euh, tu sais, mes, mes, mes suivants de nutrition, les gens venaient une fois par semaine, une fois par deux semaines sur le forfait. Fait que tu sais, c'était forfaitaire, mais bien heures payées puis là tu sais je calculais comment ça coûtait comment ça me donnait puis tu sais gars comme là aujourd'hui j'étais encore capable de te le dire le fait que c'est un, un problème à ce niveau là euh, là les gyms ferment je me pète la jambe fait que là je suis comme si je fais quoi avec ça là je figure ramadan va me faire anesthésier si tu pourrais me faire opérer que je pourrais donner des hommes en ligne pendant que tout le monde est enfermé chez eux il y avait une demande tous les gyms étaient fermés fait que là je fais ça euh, j'ai quand même monté pas pire. J'ai refait des, des, des revenus peut-être de comme 12 000 à 15 000 par mois pendant ce temps-là. Je peux parler de chiffres parce qu'on est dans, le, dans, un, dans un groupe d'hostlers de, de puis on ne fera pas là, des, euh, des mauvais cas de québécisme <laughs> avec ça ici aujourd'hui. Donc, euh, non, là, c'est ça, ça, ça. Parce que si tu parles ouais. de chiffres, tu ouais. croches, tu crosses le monde. C'est puis... ça, <rire> exactement. <laughs> exact. Puis venez donc à l'atelier d'ascension, vous avez tout cassé c'est ça, ce mauvais mindset-là <laughs> par rapport à l'argent. Mais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je fais ça pendant comme un hein, an et des pouces. Puis là, maintenant, ma jambe guérit. Ta, 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 ta. Là, les gyms, t'es encore locké. Là, maintenant, oups, tout déborde. Fait que là, je me dis, jamais, ça entraîne en personne, moi. Fait que là, je retourne du barre à bureau. Je lui dis, juste une fois, une journée et demie, deux jours par semaine. Et, et, tu me connais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Je commence à travailler -tu, du lundi au samedi midi. J'engage deux coachs, un adjoint, machin. Je remonte mes revenus, mais là, mes, mes dépenses suivent avec. T'sais. Fait que euh, je remonte ça à 25x plus ou moins par mois et plus, puis euh, là, les, revenus, les, les dépenses suivent avec ça, puis la dépense de temps reste vraiment intense, puis à un moment donné, fouille-moi pourquoi, peut-être j'avais un mauvais mois ou j'avais engagé une mauvaise personne, il était assis au mauvais banc dans mon autobus, comme on parlait l'autre jour, du jour au lendemain, il arrive de quoi, fait que là, mon trainer s'en va, là, je comme, j'essaie de le remplacer, j'engage un, je le prends, ça marche pas, j'engage l'autre, je le prends, ça marche pas, j'engage l'autre, je le prends, ça marche pas, tout ça parce que c'est des gens qui étaient géographiquement proche d'où je travaillais, à Longueuil. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, comment m'en faire pour? Fait que là, je fais comme un okay, équipe fuck it. Moi, je ride solo. Je l'enlève aussi. Puis là, je fais ça pendant 4-5 semaines. <laughs> là, j'ai pas d'adjoint. Euh, je recommence à faire des contrats. C'est de la merde. Tout va mal. Je fais mes rendez-vous. Ça va mal. Je fais mes progrès en retard. Euh, je fais mes clients. Pour être tout est de la, est de la crotte. Puis là, je réengage engage un coach, mais comme sur un principe de timeshare, ça faisait, mais était zéro aligné sur ma vision, sur ma façon de voir, sur mes valeurs. Mais fucking euh, bonne personne, est encore très amie avec moi aujourd'hui, mais professionnellement, ce n'était pas un fit. Fait que, vous voyez, j'ai comme, j'essaie de leverager mon temps, mais je ne le faisais pas. Fait que là, fast forward, on arrive au mois de mai-ish, puis là, j'ai créé à Jake, j'écris à Jacob, je suis plus capable, j'ai besoin d'aide. Fait que là, on a fait un deep dive sur mes affaires. J'ai embarqué dans le mastermind, puis là, j'ai réalisé comme que mon modèle de in-person, dans le fond, j'étais écœuré de le faire. Pis ça ne ça me servait pas. Puis, ultimement, je n'étais pas la meilleure personne pour montrer à mon monde quoi faire. Puis, là, au travers de ça, moi, j'ai des pépins de santé. Ben, je savais que j'avais une épaule maganée, mais là, comme j'ai de l'arthrose vraiment sévère dans mon épaule droite, puis là, je n'aurais pas le choix de me faire opérer, puis éventuellement d'avoir une prothèse. Fait que, tu sais, des plates de 45 dans un gym, pour moi, c'est crissement pas une bonne idée. Fait que là, au mois de septembre, je décide d'aller au gym où j'étais, au Centre Expérience, à ce moment-là. Je donne mon, mon billet à la à direction. Je regarde, j'arrête l'in-person dans trois mois. Fait que, tout de suite, j'ai arrêté, mais j'ai comme juste tapered down tranquillement. J'ai flippé en ligne ceux qui voulaient s'en venir en ligne. Puis là, on s'est mis sur une mode d'acquisition de clients avec notamment du setting, du DM à fond la caisse. Puis, tu sais, en deux mois et demi environ, j'avais redoublé la clientèle. Puis j'avais vraiment boosté euh, les revenus, tu sais, euh, vraiment comme. Big time. Fait que ça, je suis vraiment comme heureux de ça là, hmm. avec le recul. C'était quoi comme tes peurs quand tu as switché le, le, le in-person à en ligne? Ouais, mais les peurs, c'est tout le temps, honnêtement, c'est de décevoir le monde. Euh, tu sais, moi, un, moi j'ai une peur du rejet, en premier lieu. Fait que j'avais peur que les gens me lâchent. Je m'étais dit, imagine, genre, si euh, mettons là, je, je leur impose un peu ça. Je les ai habitués, mais moi je le voyais de même. Si je t'habitue, tu me payes pour ça, puis là, tu jour au lendemain, c'est plus ça, c'est ça. Fait que là, il a fallu que je fasse le stretch comme quand j'étais passé de faire l'entraînement en one-on-one -on -one, en duo. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi le bénéfice pour eux autres? C'est que, tu sais, l'humain étant self-interested, il est intéressé par ses propres intérêts. Je me suis dit, comment je vais faire pour. ben, pas leur faire passer ça, mais dans le fond prouver que ça, c'est la meilleure approche qui existe. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi le problème? Là, euh, j'avais un de mes gars, il est médecin, je l'adore, euh, Rémi, jamais capable de traverser sa rive sud, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voulait se sacrer en bas du pont jean quartier mettons. C'est arrivé trois fois dans l'année, OK? Fait que là, quand c'est là son rendez-vous, mais là, j'étais comme, je peux pas le charger vraiment. Tu sais, c'est pas de sa faute, il y a un gars qui veut qui, qui se en bas du pont. De l'autre bord, je perds, je perds ma paye, puis lui, il a pas son training. Fait que là, J'utilise ça comme code figure. Bang, point. Après ça, le de le temps, les courtiers, euh, les gens d'affaires n'ont jamais le temps de venir s'entraîner, euh, pas le temps de, de venir me voir au gym, c'est trop loin. Euh, je suis rendu trop loin de Montréal. Encore là, géographiquement parlant, c'est difficile. Il y a du trafic, vous êtes toujours en retard. Fait que là, j'utilise tout ça et je me dis, quelle approche pourrait aider ces gens-là? vraiment davantage. Fait que là, en switchant tout ça sur Zoom, à distance, des fois je fais des calls, je parle le monde, sur sont dans leur char, euh, c'est pas plus grave. Puis tu sais, je vais vraiment donner un, un spin où est-ce que je tune l'entrepreneur et la personne dans sa business, notamment en leverageant tout que ce soit engager une adjointe ou donner plus de stock à leur adjointe. Euh, c'est leur adjointe qui colle leur plat pour être sûr qu'elle euh, qu a leur mille. Sur l'autre côté, on s'assure qu'il y a leur entraînement spoté dans leur. Euh, dans leur cédule, puis tu sais, le fact is, on, je me sers aussi de l'argument de temps pour dire, regarde, tout ce que tu as besoin, c'est de me donner à moi une demi-heure par semaine, right, puis de faire ce que je te demande. Fait que dans le fond, ça correspond à leur besoin qui est de moins pas de temps, de moi des résultats, puis il faut que ça roule. Ben, c'est ce qu'on fait maintenant, mmh. tu sais. Puis, t'as-tu du monde qui n'ont pas voulu suivre? T'as-tu du monde, est-ce que tout le monde t'a abandonné? <laughs> Comment ça s'est passé? Non, ben, c'était. Oh, c'est bon que en parles parce que, tu sais, on en parlait tantôt dans, dans le cours qu'on a fait ensemble, tout à en, l'heure après-midi, dans le mastermind. Mais, tu sais, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est un genre de shift. Puis, justement, en contexte, mettons, on va dire, euh, que, une personne restait dans une capacité, qui finissait son, son, son contrat de la façon que j'avais pivoté, puis elle restait. Mais, tu sais, éventuellement, certaines personnes d'un scheme naturel, lâcher à une personne, ça, ça arrive, tu le sais, comme moi. Après ça, euh, déménager. Après ça, euh, se désengageait, Après ça, essayer le online ou carrément, tu sais, comme débarquer. Mais nous, pendant ce temps-là, l'acquisition était full pin. Fait que chaque fois que quelqu'un s'en allait, on le remplaçait par deux nouvelles personnes sur le nouveau forfait qui est à, à 1 000 par mois euh, ou l'équivalent de 1 par mois, dans le fond, qui est 6 000 pour six mois. Puis, euh, ça s'est fait de façon assez organique. Tu sais, qu'on a juste eu un, un genre de purge, directement pas vite, qui s'est opéré. Puis, on les a tous remplacés par des nouveaux clients sur la nouvelle offre de service, de la nouvelle façon. Puis, surtout, le client à type est différent. Tu sais, l'entrepreneur, mettons même si je n'avais auparavant, qui veut venir s'entraîner en personne avec moi, n'est pas nécessairement le même entrepreneur qui a des struggles au niveau de son temps puis de, de, de sa gestion de lifestyle. Mais, ça reste que les deux ont besoin d'un coach. Tu sais, puis, il m'a donné un exemple, j'en ai un, il y, a, il y a une agence dans le secteur de la Chine avec 91 courtiers. Lui, il ne serait jamais venu se faire entraîner <laughs> à Saint-Bruno une fois par semaine avec moi. T'sais. Puis, ça aurait été un, un package qui correspond beaucoup moins à ses besoins. Puis là, maintenant, c'est mon client. Fait que dans le fond, là, le, du monde que j'ai perdu ont tous été remplacés par d'autres personnes qui étaient davantage alignées avec ce que moi, j'offrais. Euh, où est-ce que je t'ai rendu Fait, mm. Ça s'est tout fait de même, mettons. Ça n'a pas, euh, pas été, paf, du jour au lendemain, j'ai pas tout. Puis là, je suis pas que j'ai n'ai plus de clients. Ça ne s'est pas fait de même pas tout. Mm. fait que des fois, ça peut nous aider à avoir un peu moins peur là, de le voir de même. Mmh. 100%. By the way, pour ceux qui écoutent, merci d'être en direct. Si vous avez des questions pour Seb ou pour moi, posez-les euh, dans le chat. Ça va nous faire un plaisir euh, d'y répondre. Et euh, ça, dans le fond, je pense que les fois, quand le monde entend que tu charges 1000 par mois, ils doivent se dire comme on sait quoi s'il en parle dessus 30 heures par semaine? Donc, tu sais expliquer comme grosso modo, c'est quoi l'offre de service? mais un peu, c'est quoi aussi la façon que tu apportes cette, cette offre de service-là? Oui, bien certainement. Dans le fond, tu sais, first, là, tout part de la vente. Ce que je veux dire par là, c'est pas que je suis un king en vente, mais ce que je vais faire, c'est que je vais, first thing first. Moi, je vise un avatar, c'est des entrepreneurs à 90 courtier immobilier. Pourquoi? Euh, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils n'ont pas le temps. Euh, ils sont tout le temps. All... Mais tu sais, soit sont, mettons, on m'a donné une idée, là, comme son sont cute habillés, mais ils savent que quand lève, ils enlèvent leur linge, genre, ça tient pas. T'sais. Puis ça, c'est poche parce que sont dans des positions de leadership ils doivent demander beaucoup de leur équipe. C'est des gens qui squeezent leur monde, pas parce qu'ils sont méchants ni rien, mais il faut qu'ils squeezent leur monde pour avoir du rendement. Puis pour squeezer ton monde, Jake, tu le sais, si tu veux exercer un leadership qui est fort, tu n'as pas le choix, type toi-même, d'avoir un leadership personnel qui est élevé. Puis eux autres, c'est des machines à déléguer. Donc, tu sais, exemple, c'est pas eux autres, euh, en tout cas, c'est eux autres qui font leur Costco. Moi, j'ai fait, fait, fait jumpist Instacart straight up. Fait que, tu sais, je les remets dans leur rôle de CEO. Je dis, OK, délègue-moi ta santé. Voilà, qu'est-ce que toi, il faut que tu fasses, puis on va déléguer les tâches soit à moi, soit à mes adjointes qui, eux autres, appellent leur adjointe, soit à leur adjointe, à eux autres, qui vont bouquer. Tu sais, j'ai de mon monde, là, exemple, qui me paye une pièce par mois, puis qui a un entraîneur à leur gym, là, qui le voit deux fois semaine. Là. Puis pas qu'ils s'en calissent, mais dans le fond, ils savent que Jean-Simon, il est là pour compter leur rap de Bench Press, puis Seb, il est là pour structurer leur vie. Leur régime de supplément, je leur fais faire leur dosette, euh, je m'arrange pour que, ou je le fais faire à un membre de leur famille, euh, je m'arrange pour qu'il y ait des lunches dans leur euh, dans leur frigo à job. Fait que tu sais, j'ai un de mes gars que c'est son adjointe chaque lundi, jeudi, que ça commence chez Fresh MTL à se fait tout seul. Ben, ça, c'est moi qui l'ai appelé, hein? c'est pas, euh, <laughs> pas lui là, qui a sorti ça de son, de son chapeau. Fait que tu sais, moi je règle leur problème. Comment régler leur problème? Tu te mets dans leur place, tu dis Ok, mettons que j'étais ce gars-là, j'ai 91 employés, j'ai pas le temps de m'occuper de rien. Fait comment je peux m'assurer de m'entraîner trois jours par semaine, manger de la bouffe qui a de l'allure puis prendre mes suppléments? Fait que souvent, je suis le corps avec eux autres, je regarde, ça va te prendre ça, ça, ça comme supplément, as tu as-tu le temps décollé? Non, parfait. Je t'ai envoyé chez vous à ton adresse, puis je t'ébille, tu vas recevoir la facture juste à payer. Fait que dans le fond, là, je fais le footwork pour eux autres. C'est un peu comme un service de concierge pour ta santé, si tu veux, d'une certaine manière, mais en bout de ligne, je règle un, un plus gros problème. Que si j'étais seul en, dans un gym avec eux autres. Puis, ça, eux autres, ça baisse beaucoup leurs dépenses de temps. Le temps, c'est de l'argent. Fait que pour eux autres, c'est beaucoup plus rentable de me donner 1000$ par mois pour me parler euh, une, une heure et demie par mois que de venir me voir dans un gym à fucking Saint-Bruno, euh, que ça va leur prendre 6 heures de leur temps pour euh, 500$ par mois, mettons. Hmm. Ça, c'est bon parce que tu, tu parles que tu as bâti un offre de service pour régler leurs problèmes. Exact. Pas pour être une heure avec eux. Puis, ça, je pense c'est un gros chiffre de paradigme à avoir que comme. Tu sais, C'est correct si vous vendez une séance à l'heure et tout ça, mais est-ce est que c'est réellement ça qui va aider le client? Puis c'est quoi son plus gros challenge à ce client-là, ce client, client type-là? Encore là, ça revient à la base de bien comprendre à qui vous parlez, c'est qui votre client-type et tout ça. Exact. Puis euh, Fait que là, dans le fond, tu es 100% en ligne. Est-ce que ça te manque des fois le... In person? Ouais. Oui, oui, en fait, mais tu sais, je te dirais, c'est le contact qui manque. Tu sais, ce que j'ai commencé à faire, c'est une fois par mois environ, euh, tu sais, j'amène mes clients à consulte, dans le fond, prendre un café. Euh, là, j'ai bâti aussi un événement client qu'on a fait la dernière fois au mois de février. Là, vu qu'on était en période intense de formation, puis tout, je suis dû là, pour en setup un nouveau. Fait que je vais probablement le mettre en entour euh, comme de la mi-juin avant les vacances, fait que dans, dans un mois. Euh, puis tu sais, le but, c'est, un, tu crées un esprit de corps, tu sais, en étant en personne, tu as une espèce de. Jake, tu le sais, c'est une espèce de chimie comme, qui est cool quand tu vois des gens face à face, mais tu sais, est-ce que c'est réaliste? Puis je veux vraiment le dire en, tout, en étant fucking humble, avec la vie qu'on mène, là, comme là, je suis revenu tantôt pour euh, 4 et demi, euh, j'ai parti en deux rendez-vous, j'étais allé chercher ma fille à l'école, Je à la portée de gymnastique à Saint-Hubert, je suis revenu à Candiac, je me plugue ici, je fais mes affaires, je fais du travail, je retourne à chercher, je reviens. Moi, je suis un entrepreneur, je me mets dans ma propre peau, ne demande-moi pas d'aller au gym avec un entraîneur à une heure fixe asti trois fois par semaine c'est complètement illogique c'est pas faisable fait que tu sais j'utilise si tu veux ma propre réalité qui colle un peu à, à celle des gens que moi j'entraîne pour leur vendre le fait que ça va sauver énormément de temps euh, d'aller s'entraîner par eux-mêmes suivre leur plan ils ont accès au chat 24/7 euh, également ils ont accès à leur coach moi euh, le groupe les événements clients tu sais oui je vais te dire franchement, oui, le contact one-on-one -on -one me manque à moi, mais ça, c'est mon petit inconfort. Fait que ça, c'est secondaire comparé au problème de ma clientèle qu'on doit résoudre. Tu sais. mmh. Je pense qu'ultimement, c'est aussi de penser à comme, OK, mais ben, c'est quoi que t'aimes mieux? T'aimes-tu mieux avoir plus de flexibilité, de, de, de space freedom dans le sens que tu peux pas mal travailler de partout, comme là tu peux aller porter ta fille, et revenir, puis c'est comme tu pas obligé d'aller au gym ou tu aimes mieux faire du one-on-one, tu sais. Fait que, des fois c'est comme faut laisser tomber des affaires qu'on aime pour avoir des affaires qu'on adore, tu sais. Exact. tu ben, mettons, ouais. si jamais, je, puis on en parlé tantôt, tu t'en vas, vas je m'en en europe pendant trois semaines là, en ce moment, là. la seule affaire qui change c'est l'heure à laquelle je travaille. Tu mettons que je voudrais faire, on a tu Stéphane en ce moment qui, qui est au Maroc, je ne sais pas s'il si est revenu. Là. Il est parti est au Maroc, quoi, à... ah, il est encore là, deux, mmh. trois mois, tu sais. Puis ça reste que la seule chose qui change, c'est qu'il va travailler là-bas très tôt ou très tard. Mais mmh. sinon, quand tu es remote, honnêtement, tu as ce perk-là. tu sais, moi, je trouve ça quand même nice. Euh, tu te fais un beau bureau chez toi, tu installes tes affaires. Euh, moi, c'est pas un problème. Tu sais, j'ai ma fille une semaine sur deux. Fait que la semaine qui est là, je m'entraîne dans le garage le matin. Après ça, je fais ma journée. Ça va, tu sais. Est-ce que tu penses qu'une personne doit avoir fait du terrain pour devenir un bon coach en ligne? Ouais, je pense que ça aide beaucoup. Honnêtement, là, je pense que ça aide parce que tu sais, je vais donner un exemple. Mettons que toi, Jake, quelqu'un te demande comment faire un Romanian deadlift là, à distance. Est à être bon en tabernacle pour y expliquer à distance encore plus qu'en personne. Parce que en personne, tu ne peux pas nécessairement y montrer. Euh, tu ne peux, peux pas y montrer avec... Des mêmes, tu sais, avec 360, si tu veux, là, en tout cas, jusqu'à temps que la technologie soit là. Par contre, il euh, faut que tu aies des Q verbaux extrêmement puissants pour leur expliquer qu'est-ce que tu as à leur expliquer, mais tu peux monter du matériel didactique. Euh, tu peux donner, tu sais, honnête, moi, quand j'ai fait un workshop au mois de février, plein de monde sont sortis de là comme Ah, c'est le même qu'on a de l'IF. Ouais, mais tu sais, on en parlait aussi de faire des événements plus, euh, plus fréquents. Je pense que c'est bon d'avoir une bonne base en personne, mais tu sais, est-ce que c'est la seule manière, maintenant d'apprendre? À être pédagogue en entraînement, c'est de faire du one-on-one -on -one encore et encore. Je ne pense pas nécessairement que ce soit mmh. la seule façon, mais oui, ça peut te donner une espèce de peut-être un head start que tu n'aurais pas nécessairement si tu jambes euh, directement en ligne. Ceci dit, par exemple, en ligne, tu es pogné pour te développer des outils, mmh. qui eux autres restent. Puis moi, je te dirais, un des pièges de faire une in person, c'est de répéter tout le temps la même affaire. Si tu as 500 clients, tu vas le répéter 500 fois comment faire un bench, puis pas une crise de foi de le TP de le rendre disponible à tout le monde. Ça, je pense que c'est un piège un peu du, du ouais. modèle-là. 100%. Mais je pense que as un bon point parce que tu sais, faut que tu sois. Okay. Mettons, c'est sûrement que ça, ça a tout arrivé à tout le monde qui écoute là, au début. Quelqu'un qui fait du RDL, du the deadlift ou un deadlift, puis là, toi t'as appris dans tes cours que le Q c'est comme pousse tes hanches vers l'arrière. Puis là, tu dis ça, puis Et là, là, là si tu es quoi C'est quoi c'est <laughs> quoi mais là, si tu n'as pas développé dis, en in-person, mais comme OK, là, comment je vais y expliquer pour qu'ils comprennent pour le prochain set? Donc là, OK, ben garde, euh, si tu mets face au mur et recule, là, mais il ne faut pas que ta tête ta touche. Donc là, là tu as ça des affaires, puis moi, je pense que c'est ça qui t'amène à être un bon coach en ligne. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans là, comme euh, ou plus comme on a fait. <laughs> Peut-être ah, peut que je peux ça un petit peu. Là. Mais je pense qu'il y a comme un, 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 un petit aspect important que c'est comme si en online, mais il faut quand même que tu aies une certaine base. Puis comme tu dis, ben les événements clients ou du coup que tu peux comme plus coacher et te faire la main un petit peu là-dedans. Là. Je pense qu'il y a quand même de quoi d'important là-dedans là, à aller chercher. Ben, surtout si tu veux monter un team éventuellement, tu sais, euh, l'affaire là-dedans, c'est que tu vas devoir montrer. C'est comme faire une photocopie. Là. À chaque fois que ta photocopie, elle devient un peu plus pâle. Tu si toi, ta as, 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 as ton knowledge, tu n'es pas capable de le passer comme faux aux autres. Puis tu photocopies tout ça, ben, tu te ramasses avec de quoi qui se sent pas en crise. Il faut que techniquement tu sois solide pour que quand quelqu'un, exemple, euh, tu as un workshop à donner sur un mouvement, ben, tu peux vraiment comme le péter totalement. Si c'est ça ton base d'envie, je veux dire, on s'entend, mmh. tu ouais. as Des gens ils vont te parler de gestion puis de microbiote pendant trois heures, ça va les exciter, Ben bien, ça c'est correct. Oui, ça va ça. Je suis curieux de savoir, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois que les entraîneurs à leur compte ou propriétaires de gym font en 2023? Euh, le temps pour de l'argent, first, euh, tu sais, vendre des séances. Hey, Est-ce tu compliqué en plus, Callis? Sérieusement, là, t'es canqué. Le gars il a 72 séances, parfait. Là, il a signé sa feuille, il n'a pas signé sa feuille, il est rendu où? Euh, ça, je te dirais, c'est une des erreurs. Deuxièmement, mettre l'emphase le, mettre sur le feature. Tu sais, comme ton client, il s'en calisse que tu aies une approche périodisée de semaine en semaine, tu sais, ton langage de « kin », genre, il n'y en a rien à battre. Ce qu'il veut savoir, par exemple, c'est « qu'est-ce que je vais retirer, moi, dès que je t'engage? » Tu sais, de la même façon qu'un conseiller en placement, il te parle, il dit « Jacob, moi, tout ce que tu as à faire, c'est mettre 1500$ dans ton compte de banque, puis là, avec des mécanismes. » OK, là, tu arrêtes tout de suite, tu vas tout de suite te dire « OK, mais à la fin de l'année, il va arriver quoi? » Ben, tu vas avoir fait 15% annuel sur ton argent. Tu es comme, fuck yeah, j'embarque. Mais s'il te dit, tu vas, il va t'arriver ça, 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 ça. OK, puis le end result, c'est quoi? Ben, tu vas faire 1,3% sur ton argent, l'inflation est à 4. T'es comme, OK, ben, de la marde, je m'en vais de bord parce que le résultat qui est à la clé n'est pas intéressant. Fait arrêtez de parler du voyage puis de parler de la destination. Prouvez que vous êtes intéressé au client réellement. Puis l'autre affaire, arrêtez donc de travailler avec tout le monde. Arrêtez de travailler avec tout le monde. Est-ce dit, hey, Jake, hey, sub, je vais t'engager, moi? Mais tu es comme, Attends. Je, je veux-tu que tu m'engages, moi? Tu sais, c'est un, euh, un peu beaucoup important, ça, je pense. Oui, 100%. 100% ça, Je pense que c'est une erreur que si tu prends. Ah, oh, PA, salut PA, tu veux une nouvelle manière de penser pas les features, love it seb, yes. Euh, PA. PA, tu, euh, tu viendras au prochain coaching PA, on va de ça dans le ne <laughs> pas PA, c'est lui qui enseigne ça. Um, et um, j'ai perdu mon fil d'idées avec tout ça. C'est toujours le fun en ligne. On euh, ben, t'a rendu des features. Euh, mm. ben, on t'enlève. On t'enlève. Ouais. Des... Ouais, c'est ça, dans le fond, les, grosses, les grandes erreurs que des ouais. coachs font. Euh, les coachs du gym actuellement. Ouais. Mais je pense que tu amènes un bon point de comme. Tu sais, on a tendance à être tellement technicien en tant que coach que c'est juste de tout ça qu'on qu parle tout le temps dans notre service. Mais comme tu dis, le monde n'en a rien à battre. Là, de, de ça. Ils veulent des résultats. Puis je pense que quand on commence à faire le switch de dire. On ne vend pas des séances, on ne vend pas des plans d'entraînement, on ne vend pas des plans nutritionnels, on vend des résultats. Ça change la façon que tu délivres ton service, ça change ton marketing, ça change ta vente, ça change tout. T'sais. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, tu charges un premium pour une expérience et des résultats. Pas pour une heure de ton temps, puis les clients, crème, sont satisfaits. Tu renouvelles ton monde, le monde y reste. Comme Colin a euh, de quoi de sharp avec ça. Fait que je pense que le, le genre de paradigme du temps, il faut, faut casser ça un petit peu. Parce que la réalité, c'est que c'est correct, mais tu vas toujours travailler à l'heure. Est-ce que c'est ça que tu veux ou c'est pas ça que tu veux? C'est à toi de déterminer quelle vie tu veux vivre à travers ça. Tu sais. Ben, tu sais, on en parlait pas plus tard que tantôt. Puis tu sais, by the way, on fait toutes des rechutes par rapport à ça. Puis on, on se raccroche les pieds. Puis à un moment donné, euh, dans le training après-midi, j'étais comme, tu sais, si tu la valeur que je délivre, pis tu m'as repitu la même affaire. Tu m'as dit, ben, ça, cha ça change quoi? Tu donnes-tu le résultat? Tu donnes-tu le good? J'étais comme, ouais. Ça, ça change quoi, tu sais, ultimement? Le, le problème, je pense, puis tu mets le doigt dessus, c'est qu'on a tendance, euh, quand on commence, je pense, en tout cas, jusqu'à peut-être 10-12 ans de métier, d'après moi, on, on programme pour nous. Ce que je veux dire par là, là c'est un peu de la, excusez le jargon, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Là, que, tu sais, un, un client vient te voir, là, puis là, tu es comme, OK, mais ça, c'est parce que ton carré des lombes puis ton oblique, son tête à Puis là, tu pars, là. Quand, en fait, Jean-Daniel, il n'y a fucking 70 livres à perdre. Fait que, ramasse la petite barbelle, lève -les, Fais ça huit fois, crisse-la terre, reprends ton, reprend ton air, bois un peu de carb astie, pour ne pas tomber dans le coma, là, parce que tu as diabète type 3, puis recommence. Puis pour vrai, c'est aussi simple que ça. Fait que, trop souvent, on va être extrêmement complexe, très piqué. Moi, je vous du monde partir dans des principes de neurosciences quand il a le gars, astie, il mange mal, il s'entraîne pas, il se couche tard, il se lève tard, mmh. euh, il est tout croche. Pourquoi tu pars le mêler autant loin, fait arrête de te parler à toi, puis pense mm. à lui, tu vois. Ouais, Ça, ça c'est vraiment bon, puis j'étais le king de ça avant, fait que <laughs> c'est pareil ici. Mais tu sais, la c'est que comme le client avant de parler de, je vais raconter une petite anecdote, ok? Euh, c'est l'anecdote à Guillaume Boucher, puis aussi qu'on avait ri cette chatte là, parce que à un moment donné, on était dans le temps qu'on faisait fou la formation, les biosignatures, on avait été à Toronto faire une formation de médecine fonctionnelle, fait que là, genre tu des blood tests, des affaires, puis tout ça. Puis là, il y avait un client, il y avait un groupe semi-privé avec trois clients. Okay? il y en avait deux qui avaient des assez de bons résultats, puis un qui avait pas de bons résultats. Fait que là, il était comme suis Tu suis-tu ton plan? Mais oui, je suis mon plan, pis tout ça. Puis à un moment donné, Guillaume, on, on avait des bureaux communs. Fait que souvent, l'après-midi, on n'a pas de client, hé hey, Guillaume, j'ai une question sur un client, Puis là, on se parlait souvent de nos cas-clients, puis. Puis là, à un moment donné, il était comme qu'est-ce que c'est? si je comprends pas ce gars-là, fait que là, c'est peut-être, si, il faudrait faire des blood de test, peut-être son insuline, peut-être sa tirer fait, <laughs> fait que là, Guillaume me il arrive avec ça, puis il dit Mais regarde, envoie-moi donc des photos de ce que tu manges, Jean. Puis là, c'était un shit show. Puis ça faisait des suppléments qu'il faisait acheter. Il essayait des méthodes d'entraînement de... Mais le gars, il mangeait, il cheatait à tous les jours. Tous les jours, il mangeait de la scrap, il mangeait des burgers, il mangeait des puffs. Puis là, les gars était comme, toujours fou. de même, genre. Puis le gars était comme, ouais, wow, ouais, mais je suis mon plan pareil, tu sais. <laughs> <Donc, rire> je peux juste mais... rajouter de quoi, tu sais. <laughs> Et tu sais, c'est ça pour <rire> dire que, comme, à la base, comme 90% de nos clients ne suivent pas le plan. Exact. Ça donne rien de se casser en tête. Puis oui, il y a certaines personnes que là, tu vas pouvoir utiliser ton knowledge. Puis là, ok, comme j'ai une cliente avec des envers polycystiques, puis là, genre, elle suit tout, mais elle ne pas du poids. Là, on va commencer à pouvoir. À à toucher à des affaires. Puis c'est là que je pense que c'est important d'avoir des, des, des outils dans ta boîte Mais ben, Je pense que comme 90 de nos clients, il faut vraiment être juste comme efficace à leur faire des changements dans leur vie, des changements d'identité aussi dans leur vie pour que Crime il mange bien, ils suit leur plan, ils s'entraîne, puis comme... Après ça, comme tu dis, les technicalités, c'est pas, pas important. C'est les résultats qui comptent, là, ça. Ben Exact. Puis toi, je vais dire, tu sais où ce que tu veux l'amener, all good, mais à la fin de la journée... Fais-le sauter dans lot, puis tu sais, des fois on, on est passionné à propos de ce qu'on fait. Mais de la même façon que le gars qui devant un char, là, il t'énoue des features, là. mais toi, c'est comme moi, je veux juste aller du point A au point B, ça me coûte pas trop cher de gaz. Ça fait tout ça, oui. Good. Il faut que tu t'adaptes à la personne que tu as devant toi. Fait c'est le gars, c'est pas un passionné d'entraînement, puis il ne sait pas c'est qui, sais, Arrête de parler de bodybuilding. est -ce que tu as fait tellement longtemps, je le sais, moi, là, mais <laughs> euh, c'est bon de le savoir aussi, quand c'est le temps d'arrêter. Ouais, c'est pour ça, 100%. Seb! Tu te présentes à notre atelier d'ascension 31 mai 1er yes. 2 juin. De quoi tu vas venir nous parler? Ben justement, tu sais, comment accroître ta durabilité dans le marketplace? Parce que vous le savez, entraîneur, c'est un métier qui a un énorme, mais énorme turnover. Les gens ne t'offrent pas. C'est quoi gadget euh, la, la carrière moyenne de ces deux ans? Je ne sais pas, mais si on regarde, toi tu étais là il y ans, moi aussi. Combien de coachs qui étaient là? On... Il y a peut-être une dizaine au Québec qui sont encore là depuis le 10 ans, tu sais c'est une carrière qui, qui main, un, est quand même tu sais un c'est fucking passionnant parce que moi j'adore qu ce que je fais à propos de tout ça ça n'a jamais changé factice dans mon cas à moi à cause des événements de la vie puis du millage, etc j'ai dû changer ma manière de travailler comme bien des fois euh, puis là ben moi c'est exactement ce que je veux vous apprendre dans le fond c'est rester dans le game comment se réinventer parce que ça va être important que tu le fasses. Peut-être qu'en ce moment, tu ne le vois pas parce que tu es, es dans ton grind, puis tu as 25 ans, puis si tout va bien, puis tu es comme moi, je m'en calisse de faire des heures, c'est correct. À tu sais, un moment donné, tu vas réaliser que un moment donné, tu vas avoir une famille, tu vas avoir une femme, tu vas avoir peut-être des passions autres en dehors du gym. Je sais qu'en ce moment, ça fait bizarre à dire, mais ça va arriver. Ben, ces affaires-là vont te demander du temps, des ressources, de l'énergie, puis de l'argent que tu vas devoir leverager ta carrière de trainer en fonction de ça. Puis si tu veux monter un team, c'est la même affaire. Je veux dire, moi, je, je rush en ce moment avec ça. Pourquoi? Parce que je veux monter une équipe, je vais arrêter de tout faire tout seul pour me libérer du temps, puis grossir, puis aider plus de monde. Mais ces choses-là passent de façon obligatoire par reframer la façon que tu travailles, puis la façon que tu penses. Que moi, c'est ce que je veux vous montrer qu'à travers les aventures, à travers la vie, à travers tout ça, en faisant, en faisant verser une petite larme une fois de temps en temps, euh, qu'on est tous, si moi je suis capable, tout est capable avec un secondaire à on est tous capable. C'est une question de, de mindset puis comment se rénover constamment, se réactualiser, puis surtout embrasser notre nouvelle identité. Mmh. 100%. Puis ça, c'est vraiment fort. On pourrait parler sur le. Parler sur, partir sur l'identité, mais je pense que c'est réinventer, c'est dire non à une version de nous-mêmes, puis dire oui à une nouvelle version, puis je pense que c'est quelque chose que tu as fait de très bien. Puis, euh, puis j'ai super hâte d'entendre ça à l'événement. que je peux vous dire que des trainers vraiment plus knowledgeable que moi ont maintenant le job et n'ont pas survécu comme trainer. Oui, 100 100 C'est est pas la personne qui est euh, le plus connaissant, mais c'est la personne qui garde le plus se faire connaître et de plus de capable de bâtir de quoi à travers ça. Puis, euh, puis c'est ça, je pense que c'est notre mission avec l'Atelier d'Ascension et notre Mastermind, c'est Bâtir des carrières à l'intérieur du fitness, puis que dans prochaines années, mais ben call in que ce ne soit pas 10 personnes, mais que ce soit 100 personnes, qu'on aide tous plus de monde ensemble à travers la francophonie. Fait que j'ai mis le lien dans les commentaires. 31 mai, 1er et 2 juin, si vous n'avez pas ou déjà vos billets, faites-le maintenant. Euh, les prix augmentent. Le 19, donc euh, dans une semaine, les prix augmentent de 25%. Donc, si vous voulez bénéficier du prix préférentiel présentement, allez-y, il reste encore des plages générales. VIP est sold out, mais il reste des places générales. Fait qu'on a super hâte de vous voir. Seb va être là. à a du mastermind, des speakers. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de vous voir là-bas. Fait que, euh, que c'est ça, Seb, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Instagram, Resilient Gentleman, Facebook, euh, TikTok, euh, pff, tout, tout ce qui existe, YouTube, euh, Nimit. Puis euh, d'ailleurs, on a un podcast qui est sorti avec toi aujourd'hui euh, nice. sur mon YouTube. Fait que je vous lance ça de même. Allez voir ça, il y a vraiment du bon stock. Ça a été très nice. Donc, euh, ouais. cool. voilà. Super, merci beaucoup Seb pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. Et on se parle la semaine prochaine dans un autre live. Donc merci Seb, merci à tout le monde. Bonne Bye soirée. Guys. Bye!